Donc voilà, on se retrouve. Comme le titre l'indique, j'ai une invitation pour toutes les recettes. Je ne vais pas filmer les recettes. Si vraiment vous voulez les recettes, je vous invite à me laisser ça en commentaire. Donc on va commencer sans plus tarder avec la shorba frik, qui est donc une soupe. Non, ça c'est à Haroun, hein, qui est une soupe algérienne avec des légumes. Et bah écoutez, c'est parti. J'ai arrêté de filmer finalement, donc voilà, ici j'ai tout préparé, la vaisselle dont j'aurais besoin. Vous voyez ces jolies décorations que j'ai trouvées chez Ikea, donc j'ai tout préparé, ce dont j'ai besoin, vous voyez. Donc voilà, j'ai quasiment tout préparé. Donc ici j'ai ma shorba, ici j'ai mon tagine, voilà, de poulet. Il me reste à mettre les œufs, mais je les mettrai en dernier moment pour pas... que ça soit sec. Là j'ai préparé ça ici, c'est pour mes briques, des feuilles de briques. J'ai préparé ça pour essorer. Ici j'ai préparé, oh my god, ça c'est le pain. Donc j'ai fait du pain, donc ça je le mets ici pour que je le chauffe en dernière minute. Et là c'est pour les pastillas. J'ai mis du beurre ici, je vais le laisser fondre tout doucement. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut, hein. Il me reste à faire encore un jus et surtout il me manque du sucre, donc on va aller acheter du sucre. Allez, on y va. Ok, voilà, on est dans la fonction room. Bienvenue dans la fonction room. Donc dans tous les maisons ici, enfin les maisons, les résidences, les appartements, on a une fonction room, puisque les maisons ici à Singapour, ça dépend lesquelles, hein, mais les appartements sont petits, et cette fonction room que vous pouvez louer pour les anniversaires, etc. Je vous montre vite fait moi ce que j'ai fait. C'est la table pour les madames, voilà, donc tout simplement. Et ça c'est la table pour les messieurs. Sont pas beaucoup, on est quelques couples, voilà. Donc ici je vais mettre, ah non, mais de sac Ikea, on va l'enlever, dis là, on va l'enlever. Ici je vais mettre tout ce qui était, je vais mettre les boissons, les jus que j'ai préparé. Et alors ici je vais préparer le buffet, je vais mettre tout le buffet. 5 mètres, on les récupère en haut, on va récupérer. Je vous laisse parce que c'est bientôt l'heure et j'ai encore plein de trucs à faire, donc je vous retrouve tout à l'heure. Franchement je suis un peu en stress là, donc là j'ai tout préparé pour faire le thé avant de descendre. Oui, ça c'est ma petite doigt pour casser le gène. Alors ici j'ai mes pastillas. Donc oui, j'ai fait une forme différente. J'ai fait des pastillas comme ça. Et franchement, elles sont trop bonnes. Voilà, donc là j'ai préparé le beurre et l'huile. Il faut que je tartine. Ici j'ai mon tagine qui se présente comme ceci. Ah, et les filles, elles sont là. Et ici j'ai ma shorba algérienne. Voilà, bon, on se retrouve plus tard. Bon, j'ai de l'aide, les copines elles sont là. Voilà, regardez comment c'est trop mignon, la Kinder qui a fait des salamat hariraya spéciales comme ça. Il me reste à prendre les pastillas et on va mettre un film aux enfants ici et on va les manger. Mmh. Hello. Terminé, écoutez, voilà, je viens de finir de tout ranger et voilà, il est l'heure de finir. Ok, you can close, thank you very much. Voilà, bah écoutez, c'était super sympa. On a tout lavé ici. Oh mince, il faut que je nettoie le robinet. Je vais nettoyer ça. Bon, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, j'ai fait la bêtise de prendre le tagine. Il y a une plaque en fer sur mon tagine. Je l'ai posé ici. Et en fait, il est resté collé. Donc du coup, j'ai paniqué parce qu'il y a les invités qui étaient là. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai coupé. Voilà. Donc c'était la petite histoire du tapis. Voilà. Il est temps de vous laisser. Je vais vous laisser parce qu'il y a plein de trucs à faire. On va finir de ranger toute la vaisselle. On va mettre un petit film aux enfants. Et on va terminer la soirée ici. Chut, les filles. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Attendez, je... Ok, voilà. Bye bye. Le puff pour Mariam. C'est quoi ce sac à dos? C'est quoi ce sac à dos que je porte? Je sais même pas c'est à qui. This is for you. Ok, les filles, vous êtes prêtes? On va sortir. Donc je viens de vous mettre en ligne une nouvelle vidéo. Le vlog dans, dans la cuisine avec belle maman. Recette de bat boot. Donc c'est parti. Je vais juste éteindre mon plat et on va y aller. Les filles, vous avez mis des miettes partout. Vous